Bonjour, je suis très heureux de m'adresser à vous dans ce moment particulier. Je m'appelle Yves Cueil-Pierce, je suis l'administrateur délégué et le président du comité de direction de la Banque commerciale du Congo. Vous avez consulté notre site, vous y avez trouvé beaucoup d'informations et pourtant, je voudrais profiter de ce petit moment privilégié pour vous donner quelques informations et vous adresser l'un ou l'autre message important. La banque, comme vous l'avez lu, est une institution qui a plus de 100 ans. Et plus d'un siècle, c'est une fameuse histoire. Et cette histoire, nous l'avons vécue, nous l'avons construite au cœur de l'économie de la République démocratique du Congo. Et si nous sommes centenaires, ou plus que centenaires, nous le devons à la sagesse de ceux qui nous ont dirigés, nous le devons à la confiance de notre clientèle et nous le devons à la loyauté de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. La façon dont nous conduisons nos affaires est assez simple. La bonne gouvernance est au cœur de notre gestion. La transparence, le respect des normes, des lois et des règlements, mais aussi les contraintes environnementales, qu'elles soient locales ou même sur le plan mondial. Nous avons un réseau de correspondants important et qui a une notoriété sans comparaison dans le pays. La banque, comme vous l'aurez vu dans nos rapports annuels, présente des fondements solides. Nous avons une liquidité excellente et une très forte solvabilité. Et qui plus est, quand vous analysez notre résultat net, vous verrez que celui-ci, rapporté à nos fonds propres, est supérieur à 15%. Et cela, nous le réalisons depuis plusieurs années. Ce qui prouve la solidité de nos fondements et la transparence dans notre gestion.